Salut à tous et à tous, c'est Marika. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Fallout 3 et on va commencer notre aventure à Point Lookout. Et j'ai décidé que j'allais prendre quelques armes et que j'allais les vendre. Les trucs qui valent cher. Une valeur de 2 s'il te plaît. Quoi, peut-être les tenues d'indigène, ça vaut quelque chose. 12. Ok. Cartouche de 10 mm, il a pas de flingue, bien sûr. Bon, tu prends ça. Fusil à levier aussi. Enfin, je peux prendre jusqu'à 277. Ah, lui, il était armé quand même. Minigun. Ensuite, peut-être qu'ils ont des snipers. Non, des fusils de chasse. Voilà, alors là on va parler à Desmond. Vous avez réfléchi à ma proposition? Vous voulez que je fasse... Que voulez-vous que je fasse avec les indigènes? Il faudrait apprendre à faire attention à ce que je dis. Ces amateurs de vase veulent ma mort et n'ont pas poussé la courtoisie jusqu'à bien vouloir me dire pourquoi. Alors il faudrait que vous vous mêliez à eux pour découvrir ce qui fermente dans leur petite tête pourrie. Si vous faites du bon travail, le vieux Desmond vous récompensera. Et qui sait quel trésor vous pourrez leur voler? Du calme. En ce moment, ils doivent se demander ce qui est devenu leur groupe de chasseurs. Ces gens pensent qu'ils peuvent étendre leur portée spirituelle en se faisant un trou dans le crâne. Ce ne sont pas vraiment des théoriciens. Contentez-vous d'aller à la cathédrale et de demander gentiment. Une fois à l'intérieur, trouvez l'enfoiré aux commandes et découvrez ce qu'il mijote. J'ai juste besoin d'infos. Inutile de faire de la violence. Pour l'instant. Ce sont des débiles profonds qui vénèrent je ne sais quel esprit dément. Il n'y a rien de spécial. Ça fait un moment que je suis là. Et la dernière fois que j'ai entendu parler d'une nana qui s'appelait Nadine, j'avais encore de la peau. Une fille est bien venue fouiner il y a quelques semaines, mais elle a filé avant que j'aie eu l'occasion de me présenter. Ah, tu m'étonnes. Alors, on va y aller. Normalement, on va essayer de s'infiltrer. Je vais m'équiper d'une autre arme. Ah ouais, il a bien baissé le Desertigle quand même. Hein. Alors, quand il sera vers la moitié, je le réparerai peut-être. Alors, où c'est? Carte du monde. Ah, c'est pas tout près, hein? Bon, ok, je vais quand même y aller. Donc j'ai changé les textures théoriquement. Alors en fait j'ai mis un pack de textures pour changer les textures pour qu'elles soient 10 fois plus belles. Parce que franchement les textures de base de Fallout c'était vraiment nul. C'était pas tellement beau. On va dire que c'est à chier parce que ça se fait pas. Mais c'était pas super beau. Et donc c'est bizarre que ce soit un carré comme ça, non mais sérieux, c'est quoi le délire? Voilà quoi, j'ai mis un autre pack de texture et je trouve que ça fait 10 fois mieux, hein. Franchement. Alors. Ça c'est une église pour toi ça. Il manque le toit, connard. Enfin, c'est un petit peu bizarre. En fait, je croyais que la map elle était juste énorme, mais apparemment, vu d'ici, ce coin de la map, c'est pas énorme. Parce que, regarde, là-bas, il y a le truc où il y avait les indigènes. Capable this way. Et oh, enfin, je connais pas de nom. Attends. Je connais pas de... Ah ouais, quand même. J'ai rien dit, hein. Juste tout ça que j'ai pas exploré. Je veux dire, c'est des marais profonds, là. Ensuite. J'ai pas trop compris leur histoire de trou dans le crâne là, mais sinon tout bien. En fait, les mecs, c'est des débiles profonds, comme tu dis, quoi. Ils sont des trous dans le crâne. Mais ils vénèrent, je sais pas qui.
Ah, toi, tu me vénères, hein? Non. Tu commences à me vénérer, hein? Moi, quand je suis vénère, bah, je vais te péter ta tête, hein? Je vais te vénérer. Non, c'était nul. Allez, toi, sniper dans ta tête. Headshot. Laisse tomber. Tu m'énerves. Tu me vénères. Cap, VATS. Le VATS. Hop. Bagarre, mais... Eux, au moins, ils ont des gueules normales. Sournois. Putain, eh, franchement, j'aurais dû prendre encore plus de... Cette arme, c'est de la bombe! Je dois aller là-bas, mais sérieux, le toit, il est pété. Non, mais cette arme, c'est de la bombe! Bazar de Harley, c'est quoi? Oh, les machines du Coca-Cola! J'ai kiffé les machines du Coca-Cola. Mais j'en prends pas. J'ai kiffé ça, les machines du Coca-Cola. Truc qu'on peut acheter, je pense. Non? Oh, il y a quelqu'un là. Bon, on peut acheter. Super. Ça... Hey, bonjour. Bienvenue Au bazar de Harley. au bazar de Halley. Allez, Nous elle est, avons il faut dire. du bazar. Non, non, ça va. Mais j'ai pas l'habitude de voir des gens par ici. Pourquoi t'as fait un En bazar, général, bouffon? mes clients, eh bien, je les sens avant de les voir. Les gens des marais, essentiellement. Je suppose qu'ils ne m'embêtent pas parce que je suis né ici. Ils troquent généralement de la viande et des fruits. Jamais d'argent ni d'objets. Les mercenaires, c'est plutôt du matériel, alors si vous avez besoin de munitions ou de trucs du genre, je... Non, non. Où tenez-vous votre stock? J'en ai trouvé une partie. Il y en avait un peu ici à mon arrivée. Les mercenaires me ravitaillent aussi. Et de temps en temps, le taré au bateau vient échanger quelques trucs cool. Il pourra me réparer mes affaires, Je ça suis là c'est pour trop ça. style. Alors, c'est sûr, j'ai rien à faire avec une arme à air comprimé, mon pote, hein. Pour trois petits plombs dans la gueule, ça va pas faire très mal. Il a des cartouches, le 12. Nickel. Coup de poing américain. Le vieux lance-missile. La Steam Pack. Ah, le truc que j'ai fait en fait, c'est ça. En fait, un couteau de combat. Deux canons, je les vends, de toute façon, ça sert à rien. Fusil de chasse. Fusil à levier. Minigun. Et je pense que ça ira. Je vais me prendre des Steam Packs. Parce que moi, je ne vis qu'avec les Steam Packs, bien sûr. Voilà, il suffit un petit peu de fric. Établi, je pourrais réparer ou fabriquer des trucs. Il me faut une attelle et de la colle miracle. Pour faire une main d'écorcheur. Je pense pas que ça va me servir. Mais ça peut toujours être utile en cas de besoin. Quoi que si je passe par là. Si elle irradie l'eau, ça va pas le faire non plus. Mais je pense que je vais passer par là. Peut-être plus court. Comme ça, je passe direct là-bas. Pas trop irradié non plus, mais. Pour faire déshydrater, déirradier, comment je fais moi maintenant? Vats. S'il te plaît. Voilà. Oh, je lui ai éclaté la tête. Il a même plus de tête le machin quoi. Lui non plus. Pourquoi la tête elle est pas partie? Sais pas. Là, il doit avoir un truc là, je sais pas si c'est quoi. Panga, ça va, je sais pas ce que c'est non plus ça, mais. Peut-être de la bouffe. C'est un très intéressant ça aussi. Juste le truc qui manque, c'est peut-être plus d'herbe. Ouais. Voilà, par exemple, là, c'est plus beau qu'avant.
Ce qui est chiant dans Fallout, c'est la qualité qui pose défaut, quoi. C'est assez bête. Après, je vais éclater aussi. Donc là, ça one shot direct, hein. Bon, peut-être que certaines personnes auraient pu me dire, ouais, t'aurais peut-être pu le tuer avec, je sais pas, un 10 mm. Eh ben non, moi je kiffe mon 44 Magnum. Avant c'était un 44 Magnum, maintenant c'est un calibre 50. Je kiffe mon Zertigueul et voilà quoi. Bien sûr, ils vont m'attendre comme des attardés là. Ah ouais, vas-y, va le buter. Faut lui éclater la tête. Peut-être qu'ils vont juste être sympathiques, hein. Parce que l'autre il m'a dit, ouais, de toute façon, t'inquiète, super saut stylé. S'intégrer. Ghoul! Oh putain sa mère. Vas-y, ramène-toi, ramène-toi, que je te qu'on se fight. Oh, une balle, y a plus personne, machin. Vas-y, ramenez-vous. Allez, ramenez-vous mes petites. Hop, toi aussi. Non. Eh vas-y, casse-toi. Oh, éclaté. Je vais éclater. Ah vas-y, toi. Oh putain, j'ai pas éclaté. Vas-y, remets-toi. Hop, éclaté. Plus personne. Alors. Je déteste les ghouls. Mais j'aime bien les tuer. C'est le truc. Qui va là? Qui se présente seul? Sur le seuil de la transcendance. Quoi? Quelqu'un cherche à s'éveiller l'esprit comme nous? Quelle magnifique journée. Tu viens de loin, et seuls les forts voyagent longtemps. Mais la force n'est rien. Si tu veux nous rejoindre, tu dois accepter des... Putain, c'est des malades. Tu dois te montrer... Tu fanfaronneras peut-être moins face au rituel de la graine mère. Il a triomphé d'âmes plus fortes que la tienne. Va vers l'ouest dans le grand marécage. Tu y trouveras la mère de tous les Fripunga. Elle se tient tel un homme et ses tiges montrent l'avenir. Ramasse ses graines et agenouille-toi devant sa sagesse. Alors seulement tu seras digne d'entrer dans ces lieux sacrés. Je crois qu'il faut arrêter de fumer là, mec. Hein. Des graines de plantes de pouga géante, après agenouille-toi devant la mer, cette mer là. T'as fumé du pouga ou quoi toi? Bon, faut arrêter quoi. C'est pas possible. Non mais franchement, c'est où son délire là? Donc, carrément en plein fin fond du marais quoi le machin. Putain, ça c'est fumé, ça c'est du fumé tout craché. Hein. Bon. Luck, Lucky You. Dire quoi? Oh, il s'est fait éclater. Oh le bâtard. Alors, toi, t'es mort. Il a pris cher cher. Hein. Putain mais t'es un maman toi. Encore? Putain, il tire dans le poteau enculé. Hop, ça c'était un quick scope. Je déconne. Sur leur truc, c'est le coup du bâtard. Ils ont posé des mines partout. Éclate là, putain. Voilà. Oh, c'est féerique. Voyons, il y a de la radiation, c'est ça le délire. Bon. Truc que je vais faire, c'est aller dans les objets. Vêtements aide. Ah, Radwell, ok. Voilà, résistance grade de plus de 70.
J'ai pas envie de me faire un cercle. Vraiment, je regarde. Waouh. Vraiment, je regarde où je marche, quoi. Déjà, ils ont peut-être, c'est quoi, ils ont posé des mines. Ensuite, si encore des ennemis comme ça. Putain, mais je déteste les ghouls, putain. Mais tu tires dans le vide, là. Il s'est pris pour quoi, là? Mais putain! Mais c'est qui tire ces connes? Putain, ça... Saloperie! T'as même plus de tête. Putain, si elle a une tête. Oh la salope. Elle a encore une tête. Je pense qu'en fait, j'aurais pas dû lui dire tout à l'heure que c'était nickel chrome, le mec. Hein. Hop. Ramène ta gueule. Je te la défonce. Hop. T'as dit quoi? Comment tu m'as appelé? Comment tu m'as appelé? T'as juste le droit de te la fermer, salope. Elle est morte? Eh, ça m'a rapporté. Putain, il commence à faire nuit, ça m'a vraiment... Putain, vas-y. Recharge. Oh, ça c'était un putain d'headshot. Alors. Mais c'est le malade mental! Elle balance des boules. Après, je me demande pourquoi elle en a plus. Elle sent mer. Je suis sûr que ça sent mer là, ça va être... C'est un cimetière, ça sent mer. Putain, vas-y. Brouille ton cul, putain. Enflure. C'est quoi leur délire à eux là? Ils ont fumé quoi ce matin? Je m'en balance de la mouche bouffie moi c'est... Non putain, casse-toi. Comment on enlève? Voilà. Oh ce bouffon il a tiré dans le poteau, enculé. Alors vous prenez un bain? En tout cas pas. Ah, ils l'ont éclaté pour moi. Putain, ça pue. Salope. Ah putain, elle esquive la conne. Ah putain, mais casse-toi. Je sais pas si c'est un méchant, lui. Je crois qu'il est mort en fait. Oh, éclaté. L'autre, maintenant l'autre. Éclaté. Mais il est mort ce con ou quoi là? Ouais, je pense. Ils étaient pas gentils. Hein. On va pas pleurer pour leur sort. Putain, je suis parti avec 600 balles sa mère. Plus que 550. C'est mon problème. Oh, comment on va prendre tir? Mais même pas! Bah si. 18 XP pour ça. Vas-y, il est où l'autre là? Je le défonce. Eh, vas-y. Vas-y, recharge, bouffon. T'as aucune chance. De quoi? De mourir? Je sais. Merci de me le rappeler. Oh, j'ai éclaté. Encore un autre derrière. Bon, c'est vrai que la vie, elle part super vite, en fait. Hein. Alors...
Bon, ça fait déjà 20 minutes. Bon, il nous reste plus de 10 minutes. Nickel. Attends, maintenant. Heureusement que j'ai pris 266 Steam Pack, hein. Heureusement. Si j'en avais pris 10, je serais mort déjà. J'ai des petites baisses de framerate, je sais pas pourquoi c'est vraiment. Panga sauvage. Panga sauvage. Ok. 360. Alors, on continue. Et vas-y, casse-toi. Alors. Ouh, il y a de la radioactivité là-dedans. C'est pas cool ça. C'est quoi ça? Des trackers. Des kraken. Il est malade, lui. Il n'a pas l'air sympathique, lui. Oh, j'ai éclaté. Combien ça vaut, ça? 37 XP? Lui, il a rien compris, lui. Il a même pas compris ce qui se passait. Du tracker. J'ai pas trop c'est marré hein. Mais je vais le faire. Putain, les mouches bouffées, vous vous foutez de ma gueule. C'est quoi ton job? Je combats des mouches bouffies. D'accord. Des mouches bouffies. Pas une. Allez, esquive. Esquive, hop. Putain, j'ai passé de terre. Casse-toi. J'essaie d'esquiver. Hop. 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 Nickel. Donc, je suis super entraîné au combat contre les mouches bouffies. Ça va me faire ma 20e mouche bouffie. Entrer dans le marais sacré. Ok, 360, il n'y a personne. Nickel. Putain, il vénère les Punga ou quoi, ici. Pure une minute, Simpack. Le reste, je m'en rends vraiment bête. Radway, ah, ça, c'est super, ça. Ça, c'est la place. Entrée dans l'entrée du marais. Sûr, ça va puer sa maman, quoi. Sûr, ça va puer, là. Ça va puer la goutte, je suis sûr. Hey mec, tu viens dans une avec une hache à pointe la côte, tu te fous de ma gueule. Non, entrer dans le marais sacré, c'est bon, on l'a compris. Là. Hop, non. Oh putain, c'est quoi ça là? Une mini-map? Trop frais? Non, ça c'est pas frais du tout. Eh, je vais sauvegarder. Hop, hop. Défends jeu. Bon, ça va, je les connais. C'est mes amis. Depuis le temps. Oh, le bâtard. Ah non. Bon, depuis le temps, c'est plus mes amis. De toute façon, j'ai du Radway. Du Radix. Radway. Je pense que c'est du Radway en fait. Les œufs de fond jeu. On trouve jamais rien là-dedans. Hein. Donc, le Radway ou le Radix, attends. Je vais dire ça. Le Radway. Donc, le Radway, ça permet d'enlever 141 de radiation. Gauche-droite. Ni l'un ni l'autre. Ah ça c'est le eye shot quoi. C'est le eye shot. Merde, raté. Hein. Ouais, j'ai bien raté. Hein. Eye shot s'il te plaît.
Shot. Eux, leur seul point hypersensible, c'est les yeux. Ça, il faut se rappeler. Putain, j'ai vachement avancé le niveau quand même, hein. Bon, s'il y a juste des fangeux, ça va pas être super difficile. Ça, c'est pour l'instant. Une poupée. Attends, il faut que je prenne un screen là, c'est pas possible. Ah là là. Ah non. Pourquoi il y a une poupée? Je comprends pas ça. Je passe par là, je fais le tour. Je fais le grand tour quoi. Pour aller là-bas, c'est qu'il faut faire le grand tour les mecs quoi. Ah, je les déteste ceux-là. Ah, c'est le fangeux avec un rapace molle. Je les déteste. J'aime pas leur gueule. Eh! Ça pue ça. Ça pue, ça pue, ça pue. Ça pue, mais il n'y a pas d'ennemis. Ils ont quoi à vénérer les poupées ceux-là là? Pas possible. Oh, je me le suis pris, celui-là. Bon, c'est pas grave. Alors, maintenant. Ils ont un problème. Il y en a? Il y en a qui vont mourir. Il y en a qui vénèrent les têtes de mort dans des pics. Mais il y en a, je pensais pas qu'ils vénéraient des poupées dans les pics. Hein. C'est quoi leur délire? Des poupées dans les pics, non mais sérieux là. Il y en a qui vénèrent des poupées. Je te vénère, poupée. Eh, ça pue là. C'est quoi son problème à toi? C'est quoi ton problème à toi là? Putain, connard. Tiens, headshot, t'as rien compris, t'as même pas compris pourquoi t'étais mort dans ta vie. T'es mort pour rien, bouffon. T'as essayé de m'attaquer, mais t'es même pas mort au combat parce que t'as même pas combattu. Bon, c'est arrêté mes conneries. Je regarde maintenant. Ouais, je continue tout droit. Continuez tout droit. Dans 500 mètres, vous êtes arrivé. Ce serait bien un GPS sur Fallout. Moi je trouve un mode GPS sur Fallout, ce serait super. Parce que là j'ai le GPS mais qui parle pas. Voilà. Ça, il en reste plus que deux maintenant. Hey, j'ai même pas vu qu'ils avaient des mini... Des mini pinces. Si lui je l'ai, alors lui je pourrais l'avoir. Il y a 2% de chance, je suis sûr. Et lui, je pourrais l'avoir. Là, il y a plus de pourcent de chance. Ah putain, j'ai pas eu enculé. Ouais, je l'ai. Oh l'enfure! Par derrière! Putain, vas-y, recharge. Oh! Ça c'est fait. Dans ta gueule. Alors, aide, Steam Pack. Oh bah j'ai. En fait, comme j'ai acheté des Steam Packs, j'ai pas tellement dégraissé. Il est mort ou il fait la danse du bouffon là? Moi je dis qu'il est mort. Attends, il fait la danse. Il fait quoi là? Ah! Il fait la danse des phages morts. Se trouve, ouais, je peux même le faire, attends. Chasseur phageux. Ah tiens, c'est pas. Ça doit pas être pareil en fait. Il doit être encore plus résistant.
Mais cette arme, c'est juste de la tuerie cette arme que j'ai. Oh attends, ça me fait penser que je vais. Je vais pas faire de conneries avec. Tu te fous ma gueule? Ça rajoute juste 1%. C'est quoi leur délire? Donc, il faut m'en rappeler si je passe de level. Waouh! Ça me fait peur ce bug comme ça. Si je passe de level, il faut que je prenne des plantes de Ponga. Putain! J'ai été chercher ça! Eh, c'est normal que je voie bleu, hein. Qu'est-ce que je dois foutre maintenant? Qu'est-ce que je dois foutre? Ah maintenant je dois retourner, ouais, c'est ça. Ouais. En gros, ce truc c'est... Tu te fumes un peu de gousses de panga. Et après, bah... Tu te sniffes un peu de panga. Et après, bah, tranquillement, bah, tu... Une poupée? Trop génial! Sous-molté conditionné. Vous avez encore réussi à tomber dans un piège, je vous aide vraiment une bêtise. Hein? J'ai pas encore. Bon. Il y en a encore une là. C'est quoi le truc là? Oh! C'est quoi ça? Ah ça c'est sûr, c'est parce que je suis shooté là. C'est parce que je me suis fait shooter par la plante. Ouais, c'est sûr et certain. C'est pas possible. Putain sa mère. Eh, ça me fait peur, hein. C'est quoi ça? C'est énorme. Mais je vois pas ce que c'est. Ah, c'est une scie. Ouais, c'est que des illusions, c'est pas possible. Des bombes de Nuka-Cola, quoi. C'est du vrai? Même pas. Ah, c'est quoi ça? C'est moi. Attends, il y a un truc qui va pas là, je suis complètement pété. Franchement, ça vaut la peine. Donc, on va s'arrêter, on va sauvegarder et on va s'arrêter. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. On se retrouve exactement ici. Bye!